salam alaykoum mbokk internet yi Ravan Info Model Swat di len nuyu ñepp di len ni benen émission bes tay nak ñi fi ci commune Goltapé face Colobane fek ci fi tay monsieur Théo monsieur Théo fi moy fan bureau bi ñu la fek ni Maaleykoum salam ma ngi nuyu déjà ci sen présence di rafet du waxtaan mi ngeen ak sess bi ngeen sess fi tay fi ngeen nek ni tay nak moy guichet unique bu Goltapé face Colobane mairie Goltapé face Colobane voilà donc ci commune bi commune Goltapé face Colobane la nek exactement à la deuxième étage lan lañuy def fi guichet unique ben espace la espace ben genre plateforme la plateforme bo xam day regrouper ay services yu bari ay services yo xamantene sont les besoins de la population qui les services qui viennent répondre aux besoins de la population en quelque sorte voilà ben plateforme la bu regrouper ay bureaux yu bari maintenant bureau bu nek dafa am ben spécificité ak lu mo wara gérer par rapport maintenant aux affaires en lien avec l'information les conseils à donner aux jeunes et l'assistance des jeunes et des femmes au niveau de la commune de Goltapé face Colobane guichet unique bi lan la wundu ba ci bir manam li nek ci detail yu nek ci bir vous savez il y aura 5 bureaux d'abord parmi les 5 bureaux je vais faire la présentation des 5 bureaux d'abord il y aura d'abord un bureau d'écoute et d'orientation et d'assistance juridique ensuite il y aura ça c'est le premier bureau le deuxième bureau c'est pour les missions locales pour l'emploi et l'entrepreneuriat c'est ce qui se trouve juste à côté vers ma gauche il y a aussi un bureau de création d'emplois et appui financement des projets et un nouveau bureau pour les services de planification familiale voilà et ici le bureau où actuellement on se trouve ce sera le bureau de gestion et de coordination donc nous gérons les plus gestion bureau yep ak plateforme bi ñu nek yep ñu ko gérer quoi donc c'est un bureau de gestion qui prend en charge l'ensemble des autres bureaux qui sont implantés dans le guichet unique. Certains sont déjà amna ñu xamné fonctionnel me paraît mais amna ñu xamné c'est pas encore fonctionnel. Voilà, pour l'instant, il y a amna bureau emploi bi fi nek bi bob commencé à fonctionner. C'est le bureau 1000, mission locale pour l'emploi. Bob mu ngi fonctionner. Voilà, ici c'est le bureau de gestion bi aussi mu ngi fonctionner comme ni ngeen mu fekké ni actuellement. Voilà. Voilà. Guichet unique comme lim ko waxé ci en temps propos bi. Déjà c'est cadre face projet face émergent le bokko parce que face émergent dafa nek ben projet d'opérationnalisation de la dividende démographique fini yep moko mom dividende démographique bo xolé moy dañuy xol population bi poids démographique population bi li jëm exploiter mu amal ñi ndjeriñ parce que meun nañ bari alors que duñu am ndjeriñ bobu non mais buñu bari ñu xol lañ ci mëna def ba est mëna réduire naissance yi mëna jox ñi ay emploi mëna occuper femme ci ay emploi yu bari ay transformation comme unité de transformation pour mettre en place pour les jeunes et les femmes donc ça donne de l'emploi aux jeunes aux femmes aussi ça s'occupe de l'enfant de la santé maternelle de l'enfant et de la femme et tout ça donc c'est ça l'importance en fait du poids du projet face émergent mais ci bir face émergent dafa am ay volets yu bari il y a plusieurs dimensions et parmi les dimensions il y a celui qui s'occupe de l'emploi des jeunes et des femmes et tout ça mais nak guichet unique bi ci cadre bobu la ci dimension bobu lañ ko mettre en place genre on veut que au-delà de la pérennisation du projet parce que projet dafa am phase ça a débuté en 2019 et ça prendra fin en 2023 vous imaginez alors maintenant il va falloir maintenant que le projet soit pérennisé dans le futur genre vous partenaire vous devez retirer ce projet mëna continuer commune mëna continuer diko doxal voilà donc guichet unique bi va jouer un petit peu ce rôle. Une fois que les partenaires seront retirés du projet, le guichet unique va continuer à fonctionner avec l'ensemble des bureaux qui sont déjà implantés. Normalement, on va continuer de fonctionner. Mais là, on a accès au domaine de compétences du technique indélifié. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait, l'idée du guichet unique. Donc, ça va permettre de pérenniser les emplois, pérenniser tout ce qu'on a construit dans le cadre du projet face émergent. Monsieur Théo, l'outonni, comme une face Colobane Goltapé Amco. Ba paré population bi xamnu ko lu waral lolu bon dama né communication bi dialul parce que def nañ ay activités yu bari ci cadre face émergent et essayer nañ def le maximum pour dougal ci population bi parce que n'oubliez pas que nous participation citoyenne bok na ci li ñuy gëna def ñuy bëgg dougal ci suñu projet ñi tenir conduire ci au niveau communal donc comme récemment buñu bind PDC commune bi plan de développement commune bi nañ ci impliquer population Goltapé face Colobane parce que déjà ñom ñoko bindal sen bop ñom ñoy wax seen besoin ñu mëna ko teunk ci document bobu non té loolu lepp ci cadre face émergent bi la maintenant
Parfois, des asymétries d'information qu'on a am. Manam ñi dañ ko déggé de la même manière wala peut-être dañ ko wara joté joté wuñ ci nonu. Mais population bi aussi dañ ñeu approcher ci mairie bi pour xam lan la mairie nekk def. Comme quoi que mairie bi aussi na jégué population pour né li la nekk def. C'est ça affaire l'idée de base quoi. Voilà. Mais défaut information aussi ça peut se comprendre à plusieurs niveaux. D'abord, la mairie n'a pas de service spécifique dédié à la communication. Peut-être ça aussi ça peut être un handicap par rapport à ça, mais on est en train de réfléchir sur comment on peut améliorer. Vous voyez, on peut améliorer. Franchement, on est en train de faire une campagne pour dire aux populations information bu baax, information bu ñu wara jot pour mëna xamné au moins maire ba nga leen di liggéeyal, commune ba nga leen di liggéeyal et que ñu fi def yépp pour ñom la. Voilà. Wa man ma ngi di remercier sama partenaire yépp yi ma xamantene ñom lay liggéeyal ci cadre projet face émergent ñi ma fi indi li ma fi déployer et tout. Je veux dire Enda Ecopop, de remercier également Funeup à travers son coordinateur également qui ont fait que tay ma ngi ci projet ma liggéey ci projet bu mag muy chance bo xamantene la mu ci gërëm yaal bu baaxa baaxa baax. De remercier également la commune Gelta face Colobane par son maire monsieur Ousmane Doy, son le secrétaire général et tout, ma ngi remercier ñepp. Les collègues avec lesquels je travaille, Abdoulaye Sako, pour ne citer que lui, je veux remercier tous les gens qui ont fait que nous un projet qui a été un projet pilote. Nous avons fait un projet, c'est une chance de nous saisir, de nous approprier beaucoup. Nous avons fait une beaucoup de réalisation du projet. Nous avons fait un projet qui a été un projet qui a été voilà, quelqu'un qui a compétences, quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui a une ampleur, qui a un impact sur le plan économique et social au niveau de la commune, n'y a pas de parce que déjà, ce que vous faites, c'est le fait que vous avez de l'information pour que la population de Gueltape face Colobane, c'est ce que vous remercie beaucoup, beaucoup. Donc, c'était les éléments pour mon dernier mot par rapport à cette interview. Je vous remercie de l'ensemble, de Raphaël Loulol, c'est le TYF qui est le mboko internet yi ñu ngi leen di sant di leen gëreum ci deglu bi ak sétane bi li nak moy émission bi ñu leen indi lon tay jël ko fi ci monsieur Théo mu nek fi ci guichet unique bi commune face Colobane Gueltape diko sant diko gëreum ci dalal bi mu dalal di leen wax yeen tam nak benen yoon ci benen émission ci benen jamono jeer ngeen jëf merci